Et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis à Tourves, dans le Var, pour faire les gorges du Carami. Il fait environ 10 degrés. Je vais avoir une petite dizaine de kilomètres à faire. Je me retrouve aux trois chênes. Alors d'un côté, il y a le panneau qui va à Tourves par le clos de Monsieur Aubert. Voilà, c'est un sentier qui doit remonter sur les falaises. Et moi, je vais continuer en bordure du Carami. Alors l'eau est extrêmement clair. Bon, ben, du coup je vais m'installer ici pour manger. La pierre est pas mal.
Alors, c'est de plus en plus étroit. Il y a de plus en plus de végétation. Mais pour le moment, ça passe toujours. Alors, il faut savoir que plus vous irez loin dans les gorges, et moins le sentier sera praticable. Voilà, c'est un peu bizarre, mais d'après le GPS, je suis toujours sur le bon chemin. Allez, mais on va continuer. Normalement, j'arrive au bout. Donc maintenant, j'arrive dans un lieu où c'est que du gros rocher. Je suis censé arriver au bout là, mais il n'y a plus de sentier, il n'y a plus rien. Mais je n'ai pas rebroussé chemin, donc je pense qu'il faut escalader. J'ai retrouvé le chemin. Maintenant, je commence à sortir des gorges. Et je vais atteindre un lieu qui s'appelle le Saut du Cabri. C'est ce qu'on appelle les anciennes mines de bauxite. J'avance toujours. C'est impressionnant. Il y a des petites galeries. Parce que c'est la bouillasse, là c'est la gadoue. Bon, je sais pas jusqu'où ça va, mais ça y va quoi. Et le plafond est de plus en plus bas. Allez, demi-tour. Me revoilà à l'extérieur. Bon là, il y a quand même un petit escalier là. Je vais essayer de prendre par là. Bon, maintenant j'arrive sur la piste et je vais faire ma boucle par les crêtes. Alors là par contre il y a du vent. Si j'avais ça, ça caille. Je sais pas où il est le sentier là, faut pas que je le loupe. Hein. Parce que là il y en a partout. Puis un peu à la bourre là. Donc maintenant il faut pas que je loupe le sentier, il doit être par là. Ouais, effectivement. Bon, ça va, il est marqué sur les arbres, petit cairn. Allez, c'est parti. Seul au monde. Tour 4 km, tour par les gorges de Carami 5 km 2. Donc là je suis au clos de Monsieur Aubert. Donc normalement c'est le sentier que j'ai croisé quand j'étais dans les gorges à gauche.
Donc là, je vais prendre la direction de Tourbe à 4 km. Je pense que c'est la bonne route. Et là, j'arrive à la chapelle. Il ne me restera plus qu'à descendre pour rejoindre le parking. C'est en bas, le village de Tourbe. Je suis à la chapelle Saint-Probas. En bas, les gorges du Carmi. Dans l'autre sens, la montée doit être rude. Hein. Allez, je suis presque arrivé. Je sais pas, j'ai dû faire 12 km, je pense. La fin des gorges reste un petit peu technique, donc attention quand même. Et il y a un GPS parce que les sentiers, ça part dans tous les sens. Donc voilà. J'arrive à la voiture, le jour commence à tomber. Je pensais que j'allais finir à la frontale,